C'est quelque chose qu'on a obtenu. Il faut savoir que c'est assez singulier, comme dirait l'inspecteur d'académie, pour reprendre ces mots, parce que ça ne se fait pas dans tous les départements. C'est quelque chose que l'intersyndicale a mis en place et y tient. Il est important qu'avant de faire sa carte scolaire, le DAZN et ses services et toutes les informations entendent tous les arguments, qu'ils soient effectivement des équipes, nous on l'a fait en groupe de travail en intersyndicale, mais aussi des familles qui sont concernées, parce que quand on ferme une école, c'est aussi des familles qui sont touchées. Bien sûr les maires, des maires qui investissent et on les remercie dans leurs écoles et tout d'un coup qui découvrent qu'on risque de fermer la classe dans laquelle ils avaient investi des fois l'année d'avant. Hein. Et donc tout ça, je crois que c'est important que cette journée ait lieu et que le DAZN continue à recevoir les délégations. Alors vous savez que il y a des heures de programmer, donc c'est jusqu'à plus de 18h ce soir, donc il y a des gens qui vont venir. Mais on est aussi ici, effectivement, pour dénoncer justement ces fermetures parce que elles ne vont pas aider à l'école à aller mieux, au contraire, elles vont dégrader les conditions des élèves et des personnels. Et tout le monde le sait. J'entendais la ministre là qui était devant l'Assemblée et qui disait que finalement on ferme parce qu'il n'y aura pas assez d'élèves pour faire de l'émulation. C'est-à-dire que dans le primaire, quand vous êtes 17, on va fermer la classe parce qu'ils ne sont pas assez nombreux. Par contre, on va créer des groupes de niveau dans le secondaire à 15. Et alors là, on a du mal à comprendre la cohérence, mais je pense que la seule cohérence qu'il y a, c'est des raisons financières. On veut fermer les postes, c'était annoncé. Je rappelle que M. Macron, dans sa première mandature, a annoncé moins 120 000 fonctionnaires. Et les fonctionnaires, les enseignants sont des fonctionnaires. Alors on nous parle de la déprise démographique. Effectivement, il y a une déprise démographique. Pour l'ensemble des syndicats, c'était l'occasion justement de donner les meilleures conditions aux élèves en faisant baisser les effectifs et surtout en créant des postes pour les élèves en plus grande difficulté, c'est-à-dire les postes de RASEN. Il en manque des psychologues. Il manque actuellement 7 psychologues, il faut savoir, dans notre département. Donc les élèves les plus en difficulté sont impactés gravement, à la fois parce que quand on ferme une classe, on fait augmenter mécaniquement le nombre d'élèves dans la classe, et puis on manque toujours de moyens pour l'accompagnement de ces élèves-là. On manque de psychologues, on manque de maîtres de rééducateurs, et ainsi de suite. Donc là, je crois que la coupe est pleine, on n'en peut plus. Ajoutez à ça, vous l'avez bien sûr suivi, et on attend, même si ça ne va pas changer la politique du gouvernement, mais symboliquement, le départ de notre ministre, parce que aussi bien dans ses propos que dans ses choix d'éducatif, je pense qu'on ne peut pas être plus éloigné que ça de l'école, en tout cas celle qu'on défend, l'école publique, laïque et gratuite. Donc on ne va pas prendre le micro toute la journée parce que le but c'est que vous soyez entendus en délégation et pour ne pas déranger justement les arguments que vous ferez valoir pour défendre chaque école. Je rappelle qu'on a déjà défendu en groupe de travail, en intersyndical, les représentants de l'intersyndicale ont défendu chaque école. Chaque école, on s'est arrêté sur chaque école pour donner les éléments, soit sur les effectifs, soit sur les problématiques spécifiques du terrain, que ce soit dans les quartiers prioritaires, sur les IPS, vous savez, l'indice de positionnement social. Ce qu'on a constaté, c'est que par exemple, il y a beaucoup de quartiers où les élèves ont besoin d'aide, et pour nous, il est hors de question de fermer, mais que ce soit dans la ruralité, hein, je vois qu'il y a des écoles qui viennent de partout du département. On défend chaque école, qu'elle soit dans une ville, dans un village, parce que c'est important, nos élèves, les enfants, vos enfants sont l'avenir, et je crois qu'ils méritent le mieux. Et c'est pour ça qu'on se bat, qu'on va lutter, et que demain on sera encore en instance, et là le DAZN va nous proposer déjà son choix, puisqu'il doit rendre, et malheureusement ça lui est imposé par le rectorat, ça, il doit rendre 29 postes, et il nous a proposé aussi 10 ouvertures à des endroits où il est nécessaire d'ouvrir, et on ne va pas aller contre les ouvertures, bien sûr, mais ce qui veut dire qu'en tout, il va falloir qu'il ferme 40 classes. Puisqu'il a proposé, donc sur les 51, il y aura 10, il y a 10 classes, c'est le choix. Hein, c'est la paix sur le choléra, je pense, parce que fermer une classe ou une autre, il n'y a pas photo. Nous, en tout cas, ce qu'on souhaite et ce qu'on voudrait, c'est que toutes les classes puissent continuer à vivre parce que chaque classe, chaque élève mérite le meilleur. En tout cas, merci à vous d'être là aujourd'hui.
remettre sur la table les arguments de Nantes et SAD, puisque demain on va reparler du projet justement de carte scolaire avec des éléments plus précis, puisque le DAZN aura déjà fait un choix sur ces fermetures possibles. Mais il est toujours possible, tant que la carte scolaire n'est pas parue définitivement, eh bien de faire réfléchir et de donner les arguments. C'est vraiment ici, bien sûr, de dénoncer cette carte scolaire, de dénoncer les fermetures de postes, de dénoncer le manque de moyens, mais en aucun cas de venir dégrader le matériel ou de s'en prendre aux personnes chargées de faire le travail à l'intérieur d'inspection, même si on va les déranger, mais je pense qu'ils comprendront que le bruit qu'on peut faire aujourd'hui, est-ce que vous pouvez entendre quand je suis en train de parler, ça les dérange un peu, mais je pense que... Au moins un représentant des personnels. Dans toutes les communes, là, il y a eu beaucoup de mobilisation dans des écoles. Alors, c'est pareil, les cités en oubliées, ce serait malheureux, mais beaucoup d'écoles, il suffit de suivre Lyon Républicaine. D'ailleurs, les journalistes de Lyon Républicaine, on les remercie aussi parce qu'ils couvrent cette carte scolaire depuis le début. Ils sont encore là aujourd'hui et c'est important parce que il faut faire savoir l'opinion ce qui se passe, et c'est la presse. Alors bien sûr, les organisations syndicales, intersyndicales, a aussi des moyens de diffuser l'information, mais pas au même niveau que la presse locale. Les Lyon Républicaine a couvert depuis le début des problématiques de fermeture scolaire, et encore là aujourd'hui, pour rendre compte de cette journée. Donc merci à eux. On citera aussi France Bleu qui est là, et Presse Évasion, qui suivent eux aussi régulièrement, et qui rendent compte des mobilisations, et qui donne la parole aux citoyens. C'est pas toujours le cas dans les grands médias. Il n'y a pas toujours l'indépendance dans les grands médias, et on le voit. Moi, l'autre fois, j'ai été effaré, j'ai regardé la une, pour une fois, sur le traitement de la grève du 1er février, qui était une grève massive dans l'éducation nationale. Eh bien, ils ont accordé 20 secondes maximum sur ce point d'éducation nationale. C'était vraiment plus que limite, ça ne correspondait pas à l'importance de ce rassemblement, ni de la manifestation, ni des enjeux, parce que l'éducation est un enjeu d'avenir, et il est important qu'on se mobilise pour défendre cette éducation, en tout cas celle, pas celle de Stanislas, celle de l'éducation publique et laïque, et c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui. Les fonctionnaires sont les personnes qui sont le moins absentes, moi, de leur travail. France Bleu, je ne sais pas s'il y a Presse Évasion, mais on a aussi quelqu'un qui nous suit, et je tiens à le souligner, de l'Assemblée Populaire, les ex-gilets jaunes qui continuent, qui de toutes les luttes, et c'est Thierry qui est là à côté de moi, je vous demande de l'applaudir parce qu'il est vraiment avec nous, il fait un boulot formidable. Merci Thierry. Et puis vous avez toutes les mobilisations, mais que ce soit pour la loi Darmanin, parce que c'est vrai qu'on est pas mal sollicité avec ce gouvernement, hein. Que ce soit sur l'école, que ce soit sur les libertés, hein, sur tout ce qui se passe, la loi immigration, tout ça, eh bien on a été présent aussi. Et puis Thierry notamment, mais aussi Lyon Républicaine, France Bleu sont là pour nous faire entendre aussi. Gêne aussi Paul Fouet. Oui, qui sont là, bravo Paul Fouet, 95% de Covid. Et ils avaient fait aussi un collège de mort, vous savez, quand on demande aux parents de ne pas mettre leurs enfants pour montrer qu'ils sont solidaires justement du mouvement. Et il y avait 5 élèves sur à peu près 300. 350. Donc bravo à eux, bravo aux parents. Et parce que ils ont leur dotation, vous savez, pour les collèges, c'est un autre système, c'est une dotation du nombre d'heures. Et eux, on leur retire presque 30 heures. C'est-à-dire qu'on leur retire l'équivalent d'une classe. Donc c'est pas possible, surtout que
Le collège est en REP, en éducation prioritaire. Et si l'éducation prioritaire veut encore dire, si les mots veulent dire quelque chose, il est absolument nécessaire qu'on rajoute des heures à ce collège. Et on va se battre. Il y a déjà une audience qui a été demandée. Vous serez reçu, j'en suis sûr. Et puis nous, on va continuer à se battre en instance, en intersyndicale, pour que les heures, parce qu'il en a encore des heures de côté, eh bien, soient données au collège, à ce collège, mais à tous les collèges qui n'arrivent pas à faire leur carte scolaire. Villeneuve-sur-Yonne aussi hier, hein. Villeneuve-sur-Yonne, ils étaient plus de 100 personnes, collège, école primaire ensemble, parce qu'on défend effectivement, c'est l'éducation dans son ensemble qui est attaquée en ce moment. Et c'est important d'être présent malgré la pluie et de le dénoncer. Effectivement, ils ont pas...